Des visiteurs qui aiment le game, c'est les visiteurs du game. Eh bien bonjour. Bonjour. On est des visiteurs. On aime le game. On est les visiteurs du game. Bonjour Mérida. Bonjour Romaric. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens jouer avec vous à Super Mario Bros. Wii. T'as un truc sur le nez? Des lunettes. Alors... Alors en effet, Mérida, aujourd'hui on va jouer à ça. Alors là, là, je vais me rapprocher, je vais mettre la mise au point. Voilà. On va jouer au Super Mario Bros. Sur Wii. Il date de 2009. La Wii de Nintendo. Hein. Ouais, on n'oublie pas d'attacher. Oh, un gâteau pour mon anniversaire, mais comme c'est mais non, gentil. Non, c'est pour Peach, pas pour toi. Oh, Peach. Et comme d'habitude, oh ben voilà. Mais c'est Princesse Zelda, Peach. Exactement, c'est la Zelda de l'épisode, la princesse qui se fait toujours enlever au début, c'est incroyable. Mais c'est une princesse. Alors, un énième numéro de Super Mario Bros. Sur une console Nintendo. Qu'a-t-il de particulier celui-là? On va voir. Nous, on l'a découvert, toi, il y a 2 jours à peine, et puis ouais. Moi, je l'avais découvert juste une fois avant. Voilà. Donc on n'est pas allé très loin, mais on a joué ensemble. Et surtout, c'est un jeu... collaboratif. Oui, on est en équipe. On va coopérer. Voilà, on est en équipe dans un Super Mario tout à fait normal et assez classique, vous allez voir. Il y a énormément de... Bon, voilà, on revient au menu. Énormément d'éléments qui ont fait le succès des Super Mario Bros. D'avant. On joue à deux ici. Ouais, voilà. T'es pas tout seul. Ouais, je vais appuyer avec elle. Voilà. Il faut il faut appuyer sur le bouton pour que il y ait un deuxième joueur. Moi je prends Toad bleu. Voilà, moi je n'ai pas eu le choix, j'étais forcément Mario en étant le joueur 1, pas le choix de personnage ici. Alors regardez, on se retrouve sur une carte, une sorte de jeu de loi, ça nous rappelle déjà le Super Mario Bros 3 que je n'ai pas connu. Et non, parce que nous vous parlons d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Mario Bros 3, Super Mario 3, c'était sur la NES, la Nintendo Entertainment System. Quel succès! Quel jeu incroyable! On jouait à deux, l'un après l'autre, mais on n'était pas l'un contre l'autre. Et ça, c'était merveilleux. Alors, on y va pour le premier niveau, c'est parti. Allons-y, vous allez voir. Et voilà, vous voyez, on est en même temps sur l'écran. Quand on s'éloigne l'un de l'autre, l'écran, la caméra s'éloigne. Et donc, des fois, ça devient tout petit. Non, mais je voulais lui sauter dessus. À qui? Ah, mais t'es déjà morte. Oui. Mais c'est pas possible. S'il te plaît, viens me trouver. Ouais, j'arrive, voilà. Alors moi, j'ai attrapé ça. Regardez, quand je secoue ma manette, je m'envole. Et je m'envole. Oh, mais tu es morte juste au moment où je passe... Oh, déjà 2 morts, Mérida, en moins de 30 secondes. C'est incroyable. Ouais, j'ai fait un beau score. Alors, nous sommes à 2, donc toutes les pièces que nous récoltons tous les deux, ça c'est... s'ajoute. Ouais, c'est pour nous deux, hein, regardez. On a 57 pièces en haut à et gauche. Et comme vous voyez, on peut avoir 3 grosses pièces. Et ouais, des grosses pièces, elles sont cachées dans... Enfin, cachées plus ou moins dans tout le niveau. C'est dur de les trouver le plus souvent. Hein. Et c'est dur de les attraper le plus souvent aussi. Attention, il y a une carapace qui arrive derrière. Voilà, c'est bon. Tiens, va prendre le drapeau. Parce que quand on passe le drapeau, on récupère ça, voilà. Hop. Allez, va prendre un champignon au-dessus. Et regardez, la grosse pièce, en voilà déjà une. Et ben, c'est la première, comme nous l'indique en haut à gauche de l'écran, le compteur de grosses pièces. Alors si jamais on a les pièces normales, on arrive à 100, bien sûr, eh bien on a une vie supplémentaire. Cette vie supplémentaire, on se la partage, c'est-à-dire que c'est soit elle, soit moi qui allons pouvoir l'utiliser. On va prendre le chemin d'en haut, hein, si possible. Attention les Goombas en bas. Alors, d'accord, t'as raison. Prends le chemin du bas. T'as raison. Attention, va pas trop vite, va pas trop loin en bas. C'est pas possible. Ah, regardez, j'ai fait apparaître des pièces rouges. Ça fait comme des pièces normales, en fait, sauf qu'au bout d'un moment, elles disparaissent. Voilà. Ah, ça m'a donné une vie supplémentaire. Oh, attends, reviens.
Il y a une fleur là-bas. Ah mais non, mais moi je veux rester en champignon volant, non. Donc non, pas la fleur. Je peux y aller? Ouais, allons-y. On marche doucement. Alors, les 8 pièces rouges, ça vous rappelle rien? Moi, je me rappelle avoir cherché 8 pièces rouges. Ah, la grosse pièce en haut, là. 8 pièces rouges dans Mario 64. Vous savez, Mario 64, dans un château, on rentrait dans des tableaux. Et il y avait des niveaux à chaque fois différents. Et là, il y avait notamment l'épreuve des 8 pièces rouges. Trouver où étaient cachées. D'accord. J'ai trouvé le niveau. On va arrêter de jouer à des jeux que tu connais depuis 2 jours déjà. C'est... On fait un niveau de plus. Allez. Après, il y a la maison champignon rouge. J'aime bien. Oui, si on y arrive. Mais vous en faites pas, Romaric. Alors. On va y arriver. J'ai 2 fois plus de vie que toi déjà. Et voilà, j'adore faire ça. Aïe. Bien fait pour toi. Il y a certaines musiques. Ça me rappelle quelque chose. Toup, toup, toup. Ça, c'était une musique eh ben, qu'il y avait déjà dans Super Mario 3, il y a une par exemple. Pièce. On va pas pouvoir la voir. Si! Je l'ai eu. Et c'est la toute première. Attention, il va y avoir des trucs là-dedans, sûrement. Attends. Ouais, ah une pièce. Ouais, c'est super. 100. Non, une. Oh là là. Oups. Hop. Ouais, j'ai tout explosé. Alors là, vous voyez, je contrôle une passerelle. Et moi, je fais du jardinage avec les plantes. Oh, et je viens de me prendre un... Va prendre l'autre. Ok, l'autre. Il y a rien. Il y en avait un autre. Bah, tu as pris les deux. Merci. Allez, on monte. Voilà. Allez, vas-y. Ça vous rappelle rien, cette musique? Moi, non. Ah, alors, attends. Ne prends pas toutes les pièces. Attends. Il y a un interrupteur. Bon, pousse-toi. Il y a un interrupteur ici. Pas du tout ici. Non ! Ici ! Attention le Goomba qui va descendre. Attention le Goomba. Mais fais attention le Goomba. Attention au Goomba. Je suis tout en haut. Je redescends. Et on a déjà 2 grosses pièces. Et on m'a tué le Goomba. Oui, je viens de prendre une pièce. Et le Goomba m'a eu. Je suis tout petit Mario. Petit Mario. Et moi, je suis grande tête avec des boules. T'es un gros champignon, quoi. Le champignon, c'est pas de la moisissure. J'aime pas les champignons. Moi non plus. Il m'énerve. Mais j'aime la moisissure. C'est ça que t'allais dire après, non? Oh non. Ah. Mais je suis coincée. Je peux pas passer. Je suis trop grosse. Je peux pas passer. Ah si, regarde, il suffit de glisser. Tu fonces et puis hop, tu te baisses. Il faut d'abord foncer. Et pourquoi je suis venu te rejoindre de ce côté, moi, maintenant aussi? Je suis coincé. Attention le Goomba. Attention le Goomba. Ouais, bravo. Regarde, tu... Non, ok. Avec le bouton 1. Oui. On fonce. Non, moi, je peux pas foncer. Si, tu fonces et tu te baisses. Voilà, à moi. Hop là, youhou. Bon. C'est super. Attention le Goomba. C'est terrible. Quand on pense à des millénaires, alors peut-être pas, mais des dizaines d'années que Mario existe, des décennies, des générations, et un simple petit Goomba, un champignon qui se... Attends, stop. Mais tu m'as tué. Ah bon? Bah, je suis coincé. Oh purée, heureusement que je suis encore vivant, parce que... Et moi, je suis morte. Bah ouais, c'est pour ça, heureusement que je suis encore vivant, sinon il aurait fallu recommencer le deuxième niveau quand même. On va douce. Oh punaise. Ça arrive pas souvent, mais là je suis mort. Allez, je secoue pour aller vers elle. Voilà, ça m'a. Allez, on saute. Top. Il doit y avoir un moyen de casser les briques qui sont en dessous, mais ça dépend quel Mario on est. Alors attends, attention. Oh non, bah oui, bah, je te l'avais dit. Oh là là, t'es pénible. Bah, faudrait que tu reviennes. Il faut que tu reviennes. Ah la voilà. Faire du jardinage toute la semaine. Attention les 8 pièces rouges. Faut les attraper. Tu te serais mise. Ouais voilà. Encore. Descends encore. T'as failli me tuer. Ah bah on les a ratés.
Bouge plus. C'est fait. Tu bouges plus. Voilà. C'est pas fini. Deuxième niveau. Ouais. Coopératif. On s'amuse à deux. À deux, c'est bien mieux. C'était pas super comme score, mais bon, c'est tant pis, on est arrivé au bout. Et croyez-moi, c'est un beau progrès. Première fois que je fais deux niveaux d'affilée sans utiliser de crédit. C'est vrai. Un crédit, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'elle a utilisé ses 5 vies... On me donne un crédit et ça me rend 5 vies. Voilà. Ouais, j'aime bien la petite maison champignon, tu vas voir, c'est sympa. Alors le jeu du champignon, c'est très simple, c'est un jeu de memory, comme il y avait déjà dans Super Mario 3. En fait, c'est un peu aussi un jeu de hasard. Ah bah le memory, oui. Il faut de la mémoire et du hasard. Comme quand tu croises quelqu'un en peignoir le soir dans le couloir. C'est à qui de commencer? À moi. Alors, voilà. On va trouver les paires, les jolis trucs, les objets. Et on va éviter... Et on évite Bowser Junior et Bowser. Voilà. C'est moi qui commence. Je grimpe au mur. Et ben voilà, j'ai trouvé celui-là. À toi. Ah non, c'était un. Ok, à moi, je vais tourner celui... Eh ben non, Ah bon, là, on n'a pas eu de chance. Ça a été vite fait. On n'a rien gagné. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est la première fois qu'on perd ici. Mais d'habitude, en plus, la première fois qu'on y a fait ça, on avait tout gagné. En une fois. Allez, un dernier niveau. Le dernier, comme on a perdu. Parce que... Bon, on va pas faire un niveau à chaque fois qu'on perd, hein. Non, c'est pas possible. Non, après, il y a une autre maison champignon. Je suis en train de m'étouffer en direct, je vais mourir dans cette émission. Tout le monde s'en fout. On fait un dernier niveau, histoire... Laisse-moi en prendre un. Voilà, moi je prends celui-là. C'est surtout moi en fait qui me... Voilà. Tant qu'on joue à des jeux vidéo, c'est marrant. Non, mais c'est pour les gens, c'est pour qu'ils... Ah, le frère marteau, attention. Oh non. Ah là là, il faut qu'il passe au-dessus. Très bien, comme ça je me mets en dessous. Oh zut. Il est redescendu. C'est vraiment pas de bol. Ah bah, je suis mort. Quoi? Romaric, vous êtes mort. Ça suffit. Tu vas te taire. Yoshi! Descends! Tu veux manger? Ouais. Mais Yoshi! Yoshi, je suis là. Allez, on a chacun un Yoshi. J'ai mangé le fruit. Oh non! Alors le fruit, à quoi ça sert de manger des fruits quand on, a un Yoshi? C'est simple. C'est comme les 5 fruits et légumes par jour. Les 5 fruits et légumes par jour, exactement. Oh non, chacun. Voilà. Allez, la pièce. Ouais, j'ai eu la pièce. Tu as mangé le fruit. Ne me pousse pas sur les autres gens. Ah, non, ton Yoshi, vite, reviens, attention la carapace. Il y a une carapace à gauche, fais attention. Attention la carapace, elle revient aussi. Vas-y, pousse-moi sur la carapace aussi. Alors là, chers amis, ça peut être assez long. Mérida va tenter de rattraper Yoshi. Et pendant ce temps, je vais vous apprendre la recette de la tarte au citron. Tout d'abord, vous allez devoir préparer les citrons. Alors, vous coupez les citrons. Attention, la carapace... Oh purée, il est carrément ressorti de la carapace. Mais à quoi ça sert que j'explique, quoi? C'est incroyable. Viens me sauver! Bon, allez, dépêche-toi. On essaie de faire vite, là, Mérida. Voilà. Oui, bon. Bah, oh. Vous prenez une tarte. Vous prenez des citrons. Vous avez une tarte au citron. Voilà. Pendant ce temps, Mérida... Mais qu'est-ce que tu fais en haut, Mérida? Mais c'est pas possible. Un petit saut et puis s'en va. Bon, je vais m'occuper de la carapace, je crois. Voilà, c'est fait. Mais viens par là. Attends, j'ai une idée. Je vais te bouffer et te jeter sur le Yoshi. Et voilà. Ça, c'est la méthode Romaric. Tu prends les gens, tu les balances. Dans tous les sens du terme. Tu vas doucement, Mérida. Parce que, on ne pousse pas Romaric dans les orties. Il n'y a pas d'orties. Oui, mais il n'y a pas de mémé non plus. À quoi sert ce petit truc-là? Un autre... Yoshi, non, pas du tout. Ouais. Oh non, mais j'ai perdu le mien. Ah bah c'est malin. Et je crois que c'est là où il y a le trou en plus. Oh, attends, doucement. Ah oui, il y a le frère marteau là. Très bien, reste là-bas, il s'occupe de toi. Et voilà, je l'ai eu. Il y a un fruit et légumes par jour. J'en suis déjà... Yoshi. Alors on n'a pas fini d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe avec les 5 fruits et légumes par jour. Je sais pas, j'ai jamais fait.
Si, moi j'ai vu, parce que je fais attention à ce qui se passe. Quand le Yoshi mange 5 fruits et légumes par jour, il fait caca. En gros, il pond un œuf et il y a un objet dedans. Bon, on fait attention, Mérida, on va sauter. Voilà. Ah zut, j'aurais dû te le laisser, ça, oui. Tiens, le champignon à gauche, Mérida. Oh, il revient. Quelle chance, bravo, Mérida, mais quel talent. Allez, ton quatrième. On arrivera peut-être à 5 fruits et légumes par jour. 4 fruits, déjà. Je vais bouffer des plantes, car il faut les fameux légumes. Les fruits, c'est bien, mais les légumes... C'est encore mieux. Non. Qu'est-ce que j'adore. Oui, oh, encore des Yoshi. Prends le rose, voilà. Il y en avait qu'un seul. Elle est contente. Le rose. Et voilà, regardez, oui, mon Yoshi, il a fait un joli caca. Attention, le... Et ben voilà, alors c'est parti, Mérida va devoir maintenant récupérer... Oh là, je vais m'occuper de la fleur, là, qui descend. Voilà, je l'ai bouffé. Attention, ne me pousse pas sur les gens. Ah, c'était toi. Ton Yoshi, mais c'est pas vrai. Et moi. Ta mort, mais c'est pas vrai. Allez, il me reste une vie, je suis où? Il te reste une vie, ça sera jamais suffisant, tu rigoles. Attention, la carapace revient. Yoshi. Je me suis occupé de la carapace. Pour ton Yoshi, je peux te bouffer et te jeter sur lui. Ok, on va attendre qu'il revienne, le Yoshi. Et voilà. J'ai un rose. Et grâce à qui, petit bonhomme? Allez. Un fruit. Et légumes par jour. Les visiteurs du game, une émission qui sert d'utilité publique. Mangez bien 5 fruits et légumes par jour. Attention, regarde. Bonne santé. C'est... Ah ben, tu m'as jeté sur le Goomba. Je t'ai jeté sur le Goomba. Qu'est-ce que tu étais descendu de ton Yoshi en route, toi? J'avais touché à rien. Ah. Ah, la pièce. Ah. Tu te servais moi la dernière fois que tu avais... Non, je peux y arriver, regardez bien. Voilà, ah, c'est la troisième. On a raté la deuxième. Ouais, puis on a aussi raté sa vie pour certaines personnes, hein. C'est bon, c'est qu'un jeu. Ah, ça, c'est ce qu'on dit quand on perd, hein. Je m'en fous, c'est qu'un jeu. Oh là là, le frère marteau, il m'a eu. Mais t'as perdu ton Yoshi, bien fait. Oui, mais j'ai eu le frère marteau. Les frères marteaux. Si vous trouvez qu'un jeu vidéo, c'est plus important que la vie, mettez-le en commentaire. Non, un jeu vidéo n'est pas plus important que la vie. Regarde, dans le jeu vidéo, c'est moi qui gagne. Est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Non. C'est du jeu coopératif, et voilà. C'était les visiteurs du game. Mais pour une fois que je gagne. Non, on va s'arrêter là. Puis en plus, il y a encore tout un truc après. Voilà, c'est une terrible nouvelle est arrivée au château. Voilà. Mais on arrête de toucher à tout. Voilà, ça s'appelle Super Mario Bros. Oui, c'est sorti en 2009 sur la... Oui. Et c'était avec Mérida et Romaric. Nous sommes les visiteurs du game. N'oubliez pas qu'on se retrouve dans la web-série Caliderson. Et que... Abonnez-vous à la chaîne. Hein. Abonnez-vous à la chaîne. Et d'ailleurs, attention, on te voit plus. Voilà. Non, mets-toi plus haute parce que voilà, il y a des choses en bas. Voilà. Abonnez-vous. Il n'y a rien en bas. Abonnez-vous. Oui, bon, au revoir, gros bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Il n'est pas là, gros bisous. Gros bisous, c'était le chef des bisounours. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. S'il vous plaît. Cliquez sur abonnez-vous et vite. Et donnez des conseils parce que là j'en peux plus, il m'énerve.